te suivrai. Oh toi mon Dieu. C'est le trésor le plus précieux, car ton Esprit Saint nous y révèle, y est mis le seul chemin de Dieu, le vrai bonheur ici-bas, le seul chemin de Dieu, que je veux le suivre pas à pas. J'ai une petite question et vous allez répondre, vous allez compléter et vous allez répondre ensuite à la question que je vais poser. C'est celle de savoir juste si Jésus-Christ est africain, cela devait être un plaisir, ça devait être une joie pour nous les Africains. Mais pourquoi cela dérange et fait parfois mal à certains Noirs de savoir que Jésus est africain? Il y a eu tellement un formatage, si vous me passez l'expression. Oui. Que la colonisation a eu à opérer dans la population africaine, qui fait que aujourd'hui, bien que la vérité soit là, révélée par Guillaume Ulfacet Chouabo, le noir est comme un peu hésitant parce que la colonisation nous a formés dans le sens que rien de bon ne peut provenir de l'Afrique. Oui. Donc, il a fait de nous
des hommes, je peux dire, exotiques. L'Africain ne croit qu'à ce qui vient d'ailleurs. D'ailleurs. Alors que tout émane de l'Afrique, en fait. Il se dit qu'il ne peut rien faire. Tout à fait. Donc, je disais, ça, c'est juste de façon ramassée, si vous voulez. Pour essayer de compléter mon confrère, je voudrais tout simplement dire que, en fait, de la création du monde, le plus simplement du monde, le téléspectateur doit comprendre ceci, que de la création du monde jusqu'au déluge de Noé, ne vivait sur terre aucune autre race que la race noire. Ça paraît tapageux, troublant. Troublant, oui. Mais c'est la vérité. Voyez-vous. Avez-vous des démonstrations? Tout à fait, puisque déjà la Bible dit qu'il y a eu naissance des saisons, c'est-à-dire changement climatique, qu'après le déluge. Après le déluge. Avant qu'il y ait déluge, le climat qui régnait, c'était le climat tropical humide. Il n'y avait pas de pluie à cette époque-là. La Bible le dit, le démontre dans le jardin d'Éden, on dit aucune goutte de pluie n'était tombée. Seule une sorte de source, une sorte de fleuve prenait sa source en Éden et irriguait le jardin. Voyez-vous. Donc, il y a eu pluie après, c'est-à-dire que pendant Noé. Et toute la génération de Noé s'en est allée dans les eaux du déluge. Donc, va sortir de l'arche Noé et ses enfants. Et donc, c'est donc la famille de Noé qui va repeupler la planète entière. Et c'est au sortir donc du déluge, en contact avec le froid, que vous savez que la mélanine, en contact avec le froid, perd le taux ou bien la quantité, c'est-à-dire l'homme noir en contact avec donc le froid, perd la quantité de mélanine en lui et ça permet donc l'éclaircissement de la peau. Et ainsi de suite. Donc le blanc, en fait, n'est pas une création de Dieu. En fait, enfin, ce que ça nous... Ça ne nous bouleverse pas. Je voudrais tout simplement dire, je ne veux pas dire que les blancs ne sont pas des enfants de Dieu. Non. Non. Je ne dis pas que les jaunes, les rouges ne sont pas des enfants de Dieu. J'ai dit non. Ils sont tous enfants du Seigneur. Mais la race que Dieu a créée, même la science le démontre, que la toute première race créée par Dieu, c'est le négroïde. C'est du négroïde qui est sorti le caucasoïde. Et le mongoloïde. Donc, les autres races émanent de la race noire. Et scientifiquement, il est prouvé que toutes les couleurs, c'est-à-dire que ceux qui font même la peinture, vous allez remarquer que en prenant toutes les couleurs qui existent au monde, la finalité, ça vous donne le noir. Si on mélange toutes les couleurs de peinture, ça vous ramène à la couleur noire. C'est pour tout simplement dire que c'est là le départ. Voyez-vous. Et du coup, lorsque nous parlons de l'histoire d'Israël, de l'histoire de Jésus-Christ, la Palestine, le Moyen-Orient ou quoi, depuis, c'est-à-dire qu'avant l'invasion romaine, l'invasion des Perses et consorts, dans cette histoire, il n'y avait pas encore des Blancs. S'il vous plaît, Madame la journaliste. Les Blancs sont intervenus bien après. Voyez-vous. Et Je veux illustrer cela parce que il ne faudrait pas que nous puissions juste parler pour le plaisir de parler. Je vais prendre un texte biblique qui va nous donner la coloration. Quelle coloration pouvaient avoir les Israélites, par exemple, les enfants d'Israël? Étaient-ils blancs? Étaient-ils noirs? Étaient-ils jaunes? Groschoff, je ne sais pas si vous pouvez nous donner ce beau texte d'Amos chapitre 9, verset 7. Lisons dans Amos 9, verset 7, au nom de Guillaume Lufoua Setikwabo. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël? Pardon. Là, c'est le Seigneur qui s'adresse aux Israélites. Le peuple qu'il s'est choisi, le peuple aimé. Il dit quoi d'eux? Groschoff, reprenez un peu cette lecture. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël? Vous connaissez au moins la coloration des Éthiopiens, Madame la journaliste. Oui. Sont-ils blancs? Non. Ils sont de quelle couleur? Race noire. Ils sont noirs, les Éthiopiens. Voyez-vous. Et ici, le Seigneur dit, n'êtes-vous pas, vous, Israélites,
pour moi le Seigneur, comme les enfants d'Éthiopie, comme les Éthiopiens, enfants d'Israël. N'avez-vous pas la même coloration que les Éthiopiens? Noir. N'êtes-vous pas noir? Voyez-vous, ici déjà, de par ce texte, nous comprenons que ça nous donne la coloration qu'avaient les Israélites. Donc du coup, notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ venant naître dans ce peuple, parce que ici nous parlons du peuple d'Israël, mais avant que Jésus ne vienne, il y a eu des, comme on dit ça en anglais, shadows. Il y avait des ombres, il y avait des signes précurseurs. Et c'est Moïse même qui va faire cette vision-là. Prenez un peu Nombre chapitre 24. Dans Nombre chapitre 24, nous avons là une prophétie de la venue du Seigneur. Et dans quelle contrée, dans quel peuple ce dernier devrait... Nombre chapitre 24, verset 17. Dans quel peuple devait-il naître, devait-il apparaître? Nombre chapitre 24, verset 17. Lisons au nom de Guillaume le Foissi du Kwabo. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un spectre s'élève d'Israël. Il perce le flanc de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec vous. Donc ici, Moïse aperçoit déjà l'arrivée du Seigneur. Il dit, je le vois, je le contemple, mais il n'est pas pour maintenant. Il sent que le Seigneur doit venir, mais dans quel peuple devra-t-il venir? Dans quelle atmosphère? Et il n'est pas le seul à annoncer l'arrivée du Seigneur. Ésaïe va plus loin pour nous donner la description du Seigneur, qui contredit même les images, les portraits, les photos que nous avons dans des maisons, dans nos églises, dans nos chapelles, dans nos assemblées. Ésaïe 53, versets 2 à 3. Et là, nous allons... C'est-à-dire que c'est un texte, toutefois que je tombe dessus, ça me fait un peu... ça me fait ricaner parce que je me dis, quelle vérité. Ésaïe, chapitre 53, versets 2 à 3. Lisons dans Ésaïe 53, versets 2 à 3 au nom du Seigneur. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec vous. Vous voyez, il n'avait en lui rien qui pouvait attirer nos regards. Mais quelle description nous faisons de Jésus aujourd'hui? C'est un caucasien aux yeux bleus, un mignon garçon, alors que Jésus n'était pas ainsi. Voyez-vous? Donc c'est pour dire que... je complétais juste mon confrère pour lui dire que lorsqu'on parle de l'histoire du Seigneur, c'est une histoire qui a été purement et simplement, falsifiée, qui a été modifié pour des fins politiques, pour nous coloniser en fait. On peut appeler la Bible un livre colonisateur. Non, en fait, la Bible n'est, je peux dire, la Bible en fait c'est un livre, c'est un recueil de livres, mais lorsque vous prenez la Bible est un texte africain. Mais seulement les Européens ont utilisé ce texte pour nous pour nous amadouer, pour nous coloniser, tout simplement. Parce que si vous scrutez les Écritures, vous allez vous rendre compte que l'évangélisation de l'Europe, parce qu'avant que l'Europe ne connaisse, la fois dernière dans une des émissions, je crois que je vous ai donné le nom de la première âme convertie en Europe, en Macédoine, une dame.
une dame qu'on appelait Lydie. C'est la toute première qui croit au message, qui ouvre son cœur à l'évangile de Jésus-Christ. Mais quand lesquels ont donc propagé cet évangile en Europe? C'était bel et bien des Africains, des hommes noirs. Je vous donne un texte clair. Acte, je ne sais pas si le gros chef peut nous en donner lecture. Nous avons Acte 13. Acte 13. Le verset 1, puis le verset 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saoul. Donc, le verset 5 est dit, arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Ce texte nous donne en fait les pionniers de l'évangélisation. Voyez-vous. Et dans ce texte, on nous dit, le verset 1 donne, nous cite des noms et on nous dit qu'il y avait un certain... Lucius de Cyrène. Lucius de Cyrène. Parmi les pionniers qui ont évangélisé l'Europe, nous avons Lucius de Cyrène. Or, Cyrène est une ville d'Afrique. Une ville de la Libye actuelle. Voyez-vous. Et il y avait aussi un certain Simon qu'on appelait Niger. Niger, en latin, veut tout simplement dire noir. Nig, en anglais. Donc, le noir. Simon, le noir. Voyez. Simon signifie noir. Non, Niger. Niger. Simon, ce Simon-là s'appelait Niger. 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 Or, Niger, en latin, veut dire noir. C'est le même mot qui, en anglais, veut dire nig. Nig veut dire noir. Et nous allons voir aussi quelle pouvait être la coloration de l'un des grands piliers de l'évangélisation, ceux qui ont évangélisé l'Europe. Je parle ici de l'apôtre des gentils, l'apôtre Paul. L'apôtre des gentils. Voilà. Acte chapitre 21. On prend directement le verset 38, le verset qui nous concerne, et nous allons voir exactement. Était-il un blanc? Était-il un jaune ou un rouge? La Bible va nous en dire. Actes chapitre 21, verset 38. Donc, lisons dans Actes chapitre 21, verset 38, au nom du Seigneur. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands? Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Ce texte, en fait, c'est l'apôtre Paul qui est arrêté par le gouvernement romain. Donc, un commandant de l'armée romaine va donc le prendre, le mettre en prison. Et pendant qu'il était prêt à le déporter pour être exécuté, l'apôtre Paul parle en langue romaine En fait, il fait signe que je veux parler. Et le Romain était surpris de voir un noir qui parle sa langue. Il dit, oh, n'es-tu pas cet Égyptien? Et nous savons que le mot Égypte vient de Kami Kemet, qui veut tout simplement dire le fait d'être noir. En fait, Kemet veut dire territoire ou pays des hommes noirs. C'est ça l'Égypte. Et ici, en désignant l'apôtre Paul, parce que c'est un blanc quand même, qui dit à un noir, donc qui est l'apôtre Paul, n'es-tu pas cet Égyptien? Pourquoi? Parce qu'il y a comme une confusion entre Égyptiens et Israélites, parce qu'ils ont tous la même couleur. Nous avons vu tout à l'heure le texte d'Amos, chapitre 9, verset 7, qui dit, n'êtes-vous pas enfants d'Israël comme les enfants d'Éthiopie, dit le Seigneur. Et nous avons encore un autre texte, je ne sais pas si le gros chef peut nous en donner lecture. Nous pouvons le voir également dans... Nous allons voir les liens de parenté qu'il y avait entre Israélites et les peuples environnants, pour vous dire que tous ces peuples étaient noirs. Nous avons, premièrement, Nombre chapitre 20, le verset 14, et vous nous donnerez aussi Deutéronome 23, le verset 8 à 9. Lisons dans Nombre 20, verset 14, au nom de Guillemille Oufoua Setikwabo. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël. Tu sais
toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec. Ainsi parle qui? L'Éternel. Ainsi parle Moïse. Moïse dit à Édom. Il envoie un messager pour aller dire au roi d'Édom, ainsi parle ton frère Israël. Cela veut dire que Édom et Israël étaient frères. Voyez-vous? Or, la Bible nous dit quoi? Nous sommes là dans Genèse chapitre 36, versets 8 à 9. On nous dit que Édom, c'est Ésaü. Voyez-vous? Oui. Donc, du coup, qui dit Édom? Égypte, Israël, Éthiopie, c'était les frères de sang, des frères de couleur, des frères de race. Et je crois le deuxième verse, le deuxième passage de Deutéronome 23 pourra le justifier aussi. Lisons dans Deutéronome 23, de 8 à 9, au nom du Seigneur. Les fils qui leur naîtront à la troisième génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. Amen. 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 8 à 9. C'est ça. Dans d'autres versions, c'est Deutéronome chapitre 23, du verset 7 à 8. Mais dans la version que j'ai sous mes yeux, c'est Deutéronome chapitre 23, du verset 8 au verset 9. Il est dit, donc c'est une instruction du Seigneur, « Ne traitez pas les Édomites avec mépris, car ils sont vos cousins. » Ne traitez pas non plus les Égyptiens avec mépris, car vous avez séjourné dans leur pays. Les descendants de ces deux peuples établis dans votre pays pourront être admis dès la troisième génération dans l'assemblée des fidèles du Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Donc du coup, Israélites, Égyptiens et Édomites étaient un peuple voisin, peuple cousin, c'est comme aujourd'hui, nous pouvons l'illustrer en disant Congo-Brazzaville, Congo-Angola, Congo-Kinshasa, Tozali, Bana, Tatamoko, Mamamoko. C'est-à-dire que nous sommes un peuple frère. C'est de la même manière que la Bible donc, nous parle de ces peuples-là. Vous voyez? Et donc, au risque de trop m'étendre là-dessus, je vous remets donc la parole, Madame la journaliste. Merci, chers téléspectateurs. Nous comprenons ensemble l'africanité de Jésus, notre Sauveur. Une dernière question, la toute dernière, pour terminer notre émission et vous donner rendez-vous pour le prochain numéro. Est-ce que la Bible nous confirme-t-elle l'africanité de Jésus? Ou c'est juste une pure et simple invention de votre guide, Guy-Émile Loufoua, Séti Kouabou? Bien évidemment que la Bible nous le confirme. Nous allons lire dans Apocalypse 2, verset 18, pour juste éclaircissement. Allez-y. Apocalypse 2, verset 18, au nom de Guy-Émile Loufoua Séti Kouabou. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables au bronze poli. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Alors, ici, nous voyons bien que le Seigneur veut, en fait, nous révéler, en fait, son identité. Puisque là, il dit que ses pieds sont semblables à de l'airain ardent. Pourquoi il le dit? Ou à du bronze poli? Pourquoi il le dit? Mais ça a une nécessité pour que l'homme de la terre soit édifié, comme l'a dit tout à l'heure le frère Perle, que il est bien important que nous sachions que lui, Jésus-Christ, est africain. Alors, là, le fait que ses pieds soient comme du bronze poli, si je vous posais une question, madame, pourquoi vous ne vous bronzez pas? Vous me direz certainement que parce que je suis déjà noir. Parce que être bronzé, en fait, c'est avoir un teint basané un peu sombre. Entre. Le fait que nous soyons noirs, nous ne sommes pas vraiment noirs, nous tendons vers le noir. Donc, le fait que Jésus-Christ ait des pieds semblables à du bronze poli, donc ça veut dire que la Bible, ici, souligne l'africanité du Christ avec une finesse. Donc, avec l'Esprit de Dieu, avec l'enseignement, c'est-tu quoi bien, nous sommes arrivés à déceler ce que le Christ voulait vraiment ou véritablement dire dans ce passage. Donc, il est fier, en fait, de dire que j'ai des pieds semblables à du bronze poli.
Donc voilà un peu, madame la journaliste, pour ne pas trop m'étaler, parce que le Dieu, le même Dieu vu par Jean, c'est le même Dieu vu par Daniel, parce que dans Daniel 10, verset 6 également, Daniel le voit avec, il a toujours le même aspect. L'aspect de ses jambes était comme du bronze brûlé. Donc ce n'est pas, en fait, aujourd'hui que Jésus-Christ est africain, mais il a été depuis toujours. Donc il est noir depuis l'éternité. Et le fait qu'il soit noir ne veut pas dire que le noir vaut mieux aux yeux de Dieu que le blanc. Non. Mais, tout simplement, que, vu que c'est une vérité, il faut que les gens puissent le savoir. Et cette révélation n'est pas née de suite d'une d'un certain poste esclavagiste. C'est-à-dire comme quoi nous voulons montrer la suprématie de la race noire. Non. Mais c'est pour dire que nous croyons, vu que la Bible atteste, que Jésus-Christ est bel et bien africain et noir. Donc voilà un peu, madame la journaliste, ce que je pouvais dire pour cette question. Merci à Laïc Ovoura, Perle Moussampa. En fait, cette question me fait fait rejaillir la toute première question que vous avez, la deuxième question, qui disait qui confirme l'africanité de Jésus. Oui, qui parlait de la. Est-ce que c'est doctrinalement important d'expliquer que Jésus soit noir? Voyez-vous, je crois Jean chapitre 17, verset 3. Vas-y. Je vais lire pour vous. Voilà. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Donc, la vie, amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. En fait, ce passage veut dire quoi? Pour avoir la vie éternelle, il faille d'abord connaître le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Connaître une personne, c'est parler d'une personne dans sa totalité. On ne peut pas seulement connaître le message, c'est-à-dire que maîtriser le message de la personne sans pourtant la connaître. Vous voyez? Et ici, Jésus voudrait que, comme il nous le rappelle dans, je vais le lire rapidement, Jean chapitre 14, le verset 1 et le verset 9 à 10, il dit ceci. « Ne soyez pas ainsi inquiets, leur dit Jésus, ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. » Donc, comme dans d'autres versets, il dit « Croyez en moi, que votre foi ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. » Pourquoi Jésus voudrait que les gens puissent croire aussi en lui? Là est toute la question. Et au verset 9 à 10, il dit ceci. Jésus leur répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe, car qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc, dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous ai dites, les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec vous. Ici, en fait, Jésus veut montrer tout simplement que qui l'a vu dans sa chair, qui l'a vu tel qu'il est venu apparaître, comme nous l'avons démontré dans l'Écriture de 1 Jean 4, versets 2 à 3, que qui l'a vu dans sa chair a vu le Père. Tel qu'il est, tel aussi son Père est. Voyez-vous? Et c'est ce qui fait que on ne peut pas changer la forme physique de Jésus. Parce qu'il dit dans Jean chapitre... Vous allez comprendre pourquoi je vous donne ces passages et je veux conclure. Et cette conclusion vous dira exactement ce que je veux dire. Jean chapitre 6, verset 40, dit ceci. Oui, voici ce que veut mon Père. Que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle et que je les relève de la mort au dernier jour. Donc le Père voudrait que quiconque voit le Fils, donc il voit Jésus et croit en lui, ait la vie éternelle. Et ça rappelle toujours, comme je l'ai dit,
Cela rappelle que il n'est pas ici question d'annoncer un Jésus qui est venu en esprit, mais un Jésus chair et os qui a vécu parmi nous, qui était africain, un noir. Et donc, pour terminer, comment est-ce que Jésus était pendant qu'il était sur terre? J'ai un très beau texte. Je ne sais pas si, madame la journaliste, vous pouvez nous en donner lecture. 1 Corinthiens, chapitre 11. Avec plaisir. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Nous avons donc lu ce très beau passage de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Qui nous parle ici? Je crois que c'est l'apôtre des gentils, l'apôtre Paul, que nous avons désigné tout à l'heure. Nous l'avons démontré selon Actes, chapitre 21, verset 38, qu'il fut un noir parce qu'il a été qualifié d'Égyptien. Voyez-vous. Et ici, c'est lui qui s'adresse aux Corinthiens en disant que vous qui êtes des chrétiens, vous qui voulez suivre Jésus. Et là, ça nous interpelle aussi pour connaître, pour chercher la définition d'un chrétien. C'est quoi un chrétien? Ou c'est qui un chrétien? Un chrétien, d'après la définition, donc au sens générique du terme, il est bien dit que le chrétien, c'est celui qui suit les pas du Seigneur, un imitateur du Christ. Comme disait l'apôtre Paul, avait l'habitude de le dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi aussi du Christ. Donc, ici l'apôtre Paul dit aux chrétiens que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme que d'avoir de longs cheveux? Qu'est-ce qu'il voulait insinuer ici en fait? L'apôtre Paul a voulu tout simplement insinuer à l'humanité tout entière que le Christ, que tout chrétien doit suivre, que tout chrétien doit imiter, ne portait pas de longs cheveux. Ça vient donc contredire les effigies que nous avons, que nous vendons dans les marchés, où nous voyons un Jésus avec des cheveux, très lisses comme de la soie, qui donc dénote sa couleur, sa race blanche, alors que Christ ici, l'apôtre Paul dit, il ne portait pas de longs cheveux. Donc, il est honteux pour un homme que d'avoir des longs cheveux. Donc, cela veut dire que le Christ n'en avait pas. Et il avait des cheveux crépus, comme nous l'a expliqué l'Apocalypse, chapitre 1, du verset 12 au verset 15. Et comme nous l'a confirmé également le chapitre 2, toujours de l'Apocalypse, au verset 18. Donc, c'est Jésus dont nous sommes en train de parler ici. Est un Jésus noir qui est venu vivre en Afrique parce qu'il est né en Palestine et c'était la Palestine d'avant la construction du canal de Suez qui n'a été construit qu'en 1869. Donc avant que ce canal ne soit creusé, la Palestine faisait bel et bien partie de l'Afrique parce que ça faisait partie de l'Afrique du Nord-Est. Donc Jésus-Christ était bel et bien un Africain, un noir, et il a vécu parmi nous. C'est ce message, en fait, que nous devons apporter, que nous devons claironner à travers le monde pour que l'humanité sache, comme le disait l'apôtre Paul lui-même dans 2 Timothée, chapitre 1, 12, il dit que moi, je sais en qui j'ai cru. Nous voudrions que, à la lumière de la révélation de Guillaume Lefacé Chouabo, que le chrétien sache en qui il a cru. Nous ne devons pas annoncer, comme je me rappelle une fois, dans un métro en Afrique du Sud, il y a eu un ami, Ayori Alain, que je salue en passant, qui, devant un pasteur sud-africain, lui dit, mais il pose la question au pasteur, parce qu'il était en train de faire du bruit dans le métro, en train de prêcher Christ. Il dit, « Do you know that Jesus Christ you are talking about? Est-ce que tu connais ce Jésus dont tu es en train de parler ?» Il dit, « Je le connais. » Et le frère lui pose la question, de quelle couleur était-il? Ah, ça l'avait tellement révolté que pour lui, Jésus n'a pas de forme, n'a pas de couleur. Et il ne savait même plus quoi lui dire en anglais. Il est allé carrément en gros, ça c'est une langue de là-bas. Il dit, « Oyesu akanakala ». C'est-à-dire que
Il voulait tout simplement dire que Jésus n'a pas de couleur. Comment peux-tu me dire que de quelle couleur était-il? Il n'a pas de couleur alors qu'il a vécu, alors qu'il a vécu parmi les hommes. Il est né d'une Marie négresse. Ouais. Il a côtoyé des gens. Il a mangé, il a bu. Et quand il est apparu, nous l'avons dit, Luc 24, il est apparu à ses disciples. Il dit, avez-vous quelque chose à manger? Parce qu'il voulait leur prouver qu'il est chair, os. Et la Bible nous l'a confirmé que tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, s'il vous plaît. Oui. Donc, cessons ce débat-là. Nous sommes là en train de... Nous voulons éclairer la lanterne de tout le monde pour que nous sachions en qui nous avons cru. C'est Jésus qui est apparu à Guy Emile Oufa-Setchkwabo à maintes reprises, que Guy Emile Oufa-Setchkwabo nous révèle est un Jésus noir et africain. Voilà ce que je peux dire pour... enfin, ce que je peux dire pour nos téléspectateurs. Voilà. I'm so tired. Merci, Père Lamoussampa. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, à la lumière de tout ce qui vient d'être dit sur ce plateau, vous comprenez que Jésus-Christ est bel et bien africain noir. Alors, votre mot en guise de conclusion. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir sur l'africanité de Jésus à la Ikovura? Jésus dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, que celui qui a des oreilles entende, et que celui qui entende comprenne, et que celui qui comprend mette en pratique. Donc, il faut qu'aujourd'hui, bien que nous avons... était trompé il y a belle lurette, il y a 2000 ans, que l'homme de la terre puisse reconnaître que Jésus-Christ est africain, croire que Jésus-Christ est africain, parce que c'est l'une des conditions sine qua non pour hériter la vie éternelle, a dit le grand maître de l'OPH. Donc ces vérités divines, que, de l'heure que Guy Emile Oufa-Setchkwabo révèle, c'est pour apporter en fait le salut, et le salut... En ramenant à la raison en fait tous ceux-là qui pensaient que Jésus-Christ était blanc et que par-dessus tout que la race blanche était en fait tous les personnages bibliques étaient des blancs. Donc aujourd'hui l'homme doit accepter cette vérité-là comme telle. Ce n'est pas pour dire que le noir sera au-dessus du blanc, non. C'est comme aujourd'hui, Barack Obama, le président américain, est président des États-Unis, mais cela ne l'empêche pas à gérer noir, blanc, jaune, avec rouge, même violet si vous voulez, avec, équité, de les juger avec équité. Donc, le fait que Jésus-Christ est africain ne doit pas poser un problème à la foi chrétienne, donc ni troubler quoi que ce soit. Comme on venait de le dire, que nous croyons en Jésus-Christ venu en chair, et puisqu'il reviendra, puisque Jésus doit revenir, donc pour que les hommes ne soient pas surpris de voir ce Jésus-Christ-là, puisque l'apôtre Paul avait dit que nous le verrons tel qu'il est. Et donc, pour que nous ne soyons pas surpris, donc le plan de rédemption de Dieu arrivant à son terme, il faut que Dieu puisse restituer toutes les vérités, tout ce que les êtres humains ont déformé, de main de maître, bien sûr. Donc aujourd'hui, cette révélation de Guy Emile Oufa-Setchkwabo vient donner un repos nécessaire à tous ceux-là qui, il y a fort longtemps, nous ont trompés en effaçant toute trace de la négritude de Jésus-Christ. Merci. Père Lamoussampa, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir? Nous voulons prouver à l'humanité tout entière que la prédication selon Guy Emile Oufa-Setchkwabo est scripturairement soutenue, parce que c'est tout ce que Guy Emile Oufa-Setchkwabo enseigne est biblique. Donc je pars d'un texte, Acte chapitre 17, je ne sais pas si vous pouvez m'en donner lecture, du verset 23 au verset 24. Lisons dans Acte 17 de 23 à 24 au nom de Guy Emile Oufa-Setchkwabo. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription.
à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître. Ce que je dois vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. En fait, nous partons donc de ce texte comme mot de la fin pour clore en fait notre exposé, notre... Je dis, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. » Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, le Seigneur du ciel et de la terre. Donc, nous venons aujourd'hui dire à la population de la ville Océane que ce qu'ils adoraient sans le connaître, nous venons leur annoncer. Le Seigneur Jésus le Christ qui était véritablement un Africain, un Noir. C'est pas parce que, comme l'a dit Gandhi, que le mensonge a été proclamé en premier qu'il devient vérité. Voyez-vous. Et pourquoi nous voulons que le peuple comprenne que Jésus-Christ était bel et bien noir et africain? Parce que nous approchons donc la fin des temps. Comme l'a dit mon confrère, pour ne pas que nous soyons surpris quand il apparaîtra, selon ce qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, du verset 2 à 3, que nous le verrons tel qu'il est, pour que nous ne soyons pas surpris. Nous faisons donc le devoir aujourd'hui de le claironner à travers le monde, de l'ébruiter pour que l'humanité sache que le Dieu qui viendra pour la parousie, qui viendra nous juger, est un Dieu noir africain. Pour terminer donc, je vous donne ce texte de Romains chapitre 13, verset 11, qui va donc, après ce texte, je ne dirai plus mot. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec. Donc, nous devons nous réveiller de notre sommeil. Parce que nous étions dans un sommeil si cotonneux que le temps est venu, le salut est plus proche de nous qu'au moment où nous avons commencé à croire. C'est le moment ou jamais de considérer ces choses que nous sommes en train de révéler pour avoir part au salut, parce que notre salut en dépend. Il faut connaître et le message et la personne du Christ pour bénéficier donc du salut qu'il nous a apporté. Je vous remercie, Madame la journaliste. Voilà, chers téléspectateurs, le sujet est de si haute portée que nous n'avons pas pu décortiquer tous les aspects sur l'africanité de Jésus. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro au cours duquel nous allons mieux vous éclairer. Nous allons apporter plus d'éclaircissement sur l'africanité de Jésus. Nous vous disons donc au revoir et au prochain numéro. J'étais donc Bertoni Situ pour vous servir. Au revoir.